tout de suite avec la prochaine table ronde. On va la raccourcir un petit peu dans son timing, mais il n'y a que trois personnes sur cette table ronde. Thierry, si tu veux bien nous rejoindre. On va continuer à creuser cette question des compétences. Quelles compétences faut-il pour ces nouveaux métiers, ces nouveaux environnements? Vous allez nous dire si il faut former de nouveaux formateurs ou intégrer de nouvelles compétences. Thierry, de ton expérience au CNAM Paris, on va également intégrer Rémi. Rémi qui intervient pour l'école de design. Et qui tu interviens sur un parcours à Laval. Tu vas nous expliquer tout ça. Exactement. Ah oui, mais je ne t'avais pas prévu, moi. Marion, oui, dans le programme, il y est, donc ce serait bien. Reste avec nous. Et puis Marion Scodia, qui travaille chez Simplon, qui va nous expliquer aussi cette fameuse école du métavers dont on a entendu parler dans la presse il y a quelques temps, et qu'est-ce que vous y faites et quel type de profil vous développez. Merci de faire des interventions assez courtes pour qu'on reste dans le timing. Thierry, avec toi, du côté du CNAM, de ton expérience, puisque tu es monsieur métavers, hein, je vais t'interroger sur le sujet, c'est marqué sur ton badge. Dis-moi, quel type de compétences toi tu détectes dans ces environnements immersifs? Est-ce qu'on a besoin de nouvelles compétences, de nouveaux métiers? De quoi a-t-on besoin? Clairement, on a besoin de nouvelles compétences. Alors, Walter, je suis monsieur métaversité. Oui, c'est vrai. Ce qui n'est pas tout à fait... Parce que je porte ce concept qui n'est ni une association, ni... Mais bon, qui est évidemment reçoit un écho avec Nexus et avec cette logique de métavers open source. Donc, moi, ce que je souhaitais dire, c'est que je vais vous faire un retour, effectivement, depuis un organisme de formation publique d'enseignement supérieur. En tant que directeur du numérique, ben là, ça fait maintenant 3 ans qu'on travaille sur des produits de réalité virtuelle, en ayant commencé avec un laboratoire de travaux pratiques entièrement virtualisé. Et actuellement, on est embarqué dans le projet des jumeaux numériques interactifs et immersifs, Génie. Ça nous apporte évidemment un retour sur comment fonctionne une équipe projet qui monte une expérience de réalité virtuelle pour la formation. Ça change la donne? Alors, qui sont les acteurs? Qui sont les acteurs au sein du CNAM? On va avoir un tabouret comme cher à Émilie, donc un triptyque avec un ingénieur pédagogique, l'enseignant et le développeur VR. Est-ce que ça change fondamentalement par rapport à d'autres projets d'e-learning? Alors, par rapport à d'autres projets e-learning, souvent, là, on est plutôt sur un binôme, ingénieur pédagogique qui maîtrise parfaitement Moodle et l'enseignant qui va utiliser Moodle. Si on est évidemment avec d'autres types d'outils plus complexes, comme créer un éditeur de serious game ou des choses comme ça, effectivement, ça peut changer la donne et on peut avoir besoin d'une expertise plus technique. Mais là, ce que je tenais à dire, c'était que... le constat qui a été déjà dit dans les tables rondes précédentes, c'est qu'on est encore à un niveau qui demande beaucoup de non-acculturation à la VR, tout simplement parce que ben, y a pas d'équipement personnel de la VR. Et moi, je pensais naïvement que le confinement allait être un accélérateur. Il y a probablement différents facteurs qui font que les personnes ne s'équipent pas. Moi, l'Oculus Go est sorti, je me suis jeté dessus en 2017. Je confirme. Et je pense qu'il manque probablement une application blockbuster qui fait que on a envie de l'acheter parce que on a eu des copains qui l'ont testé, qui ont et bon, visiblement Beat Saber ne suffit pas à déclencher l'achat. Ça a été dit aussi précédemment, mettre un casque sur le nez qui soit
réalité augmentée ou réalité virtuelle, c'est problématique, ça coupe des interactions avec son entourage. Donc c'est tu attendais un effet plus massif, c'est ça? Ouais, c'est compliqué dans une utilisation personnelle. Et si je dis ça, c'est parce qu'évidemment, les pédagogues et les ingénieurs pédagogiques, s'ils n'en ont pas eu un usage personnel, mais bon, ça a été dit. Donc là, aujourd'hui, ce qui est très bien, c'est que le bad buzz sur le métavers est terminé. On parle plus le Web 3, blockchain, tout ça. Et donc, ça y est, on peut travailler maintenant. Voilà, l'AI générative a balayé ça. On parle plus que de ça. Et donc, très bien pour le métavers et pour les usages vraiment sérieux, pédagogiques et en mode open source. Donc, je reviens. L'AFPA a lancé une enquête sur justement une typologie de métier et qu'est-ce qu'il faut apporter comme compétences dans la création de ressources pour la réalité virtuelle. Donc eux ont identifié le rôle, le métier de chef de projet, d'ingénieur pédagogique et de développeur. Moi, vous voyez, j'ai pas mis chef de projet, parce qu'effectivement, il y a plein d'organismes de formation qui font des excellentes formations à chef de projet, n'est-ce pas, Simplon? Et excuse-moi de t'appeler Simplon. Et donc. Marion, bien sûr. Ce qu'il faut voir, c'est que les formateurs, aujourd'hui, qui va former, qui va apporter des compétences après l'acculturation personnelle, nous, dans les établissements, sont bien les ingénieurs pédagogiques qui accompagnent. Donc là, fondamentalement, il ne faut pas créer un nouveau métier, il faut créer un nouveau bloc de compétences pour les ingénieurs pédagogiques. Pour moi, c'est vraiment la première étape et formaliser ce bloc de compétences et évidemment faire appel aux organismes qui sont capables de former. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es en capacité d'identifier ce type de compétences nouvelles attendues ? C'est des compétences effectivement qui ont trait à comment je me comporte et comment je modélise un processus d'apprentissage dans un univers virtuel, donc dans un monde tridimensionnel avec les contraintes du développement VR. Parce que là, aujourd'hui, je peux vous témoigner sur la VR, mais ça va tellement vite qu'on a parlé des Apple Vision et tout ça, donc la réalité augmentée va frapper à la porte de nos projets très rapidement. Donc, quand on est dans un espace de réalité virtuelle, il faut savoir que le cahier des charges d'un module d'expérimentation de laboratoire de travaux pratiques, c'est une équipe de 20 personnes qui se réunissent tous les 15 jours depuis 3 ans. Et qui à chaque fois travaillent avec le développeur VR pour savoir si ce qu'ils ont prévu de faire dans la manipulation est réaliste et faisable. Donc ce que tu es en train de me dire, c'est que par rapport au projet que vous développez là sur Génie, vous avez un terrain qui vous permet de faire un retour d'usage et vous en profitez pour identifier les compétences dont on aura besoin pour les projets à venir ? Tout à fait, ouais. Et après, il va y avoir une phase de généralisation, parce qu'à travers les jumeaux, c'est finalement tous les métiers de l'ingénierie, des ingénieurs dans tous les domaines qui vont être impactés. Toutes les entreprises le sentent bien, elles le voient bien arriver, mais effectivement, il y a à comprendre comment ils vont gérer la logistique de ce matériel. Quand on parlait tout à l'heure d'impliquer les DSI, bon, acculturer les DSI, ça va être un gros boulot, hein, aussi. Parce qu'ils ne gèrent pas des flottes de... Je parle des DSI d'enseignement supérieur. Ce ne sont pas eux qui gèrent les flottes de smartphones. Or, un casque avec un cœur Android dedans, ça, finalement, c'est comme si on gérait une flotte de PC. Et j'en finis justement sur un autre métier qui a besoin d'un nouveau bloc de compétences, c'est les techniciens de maintenance informatique qui, justement, peuvent passer de la maintenance d'une logistique, d'une flotte, d'un parc d'ordinateurs et de micro-ordinateurs à un parc de casques. Merci pour ce premier retour d'expérience, Thierry, et d'avoir fait synthétique. Sur ces technologies immersives,
forcément, il y a une pluralité de domaines de compétences qui vont être ciblés. Là, on va être plutôt sur des environnements chef de projet, développeur, avec Simplon et avec Inetom. J'étais en train de chercher ton prénom, Julien. Et est-ce que tu peux nous faire le retour d'expérience du parcours que vous êtes en train de, sur lequel vous travaillez à l'école de design au niveau de votre coopération avec Laval? Ouais. Alors, il n'y a pas encore vraiment d'expérience, puisque c'est quelque chose vous y travaillez, en devenir. Oui, c'est ça. Très rapidement et très succinctement, quand même, je vais vous parler rapidement de l'école de design, même si j'imagine que tout le monde connaît l'école de design, ou presque, puisqu'elle est juste à côté. Donc, une école de design qui est reconnue établissement d'enseignement supérieur d'intérêt général. Partenariat avec la CCI et les Pays de Loire sur le CFA, puisque depuis 2006, on a un CFA qui forme des apprentis. Trop bas, pardon. Donc il y a trois grandes familles de diplômes à l'école de design, les DNMAT qui sont des diplômes assez récents finalement, les diplômes qui dépendent de l'éducation nationale, donc diplôme national des métiers d'art et du design, qui sont des Bac+3, donc niveau licence, et puis le diplôme historique de designer, Bac+5, qui lui est accessible depuis tous les Bac+3 ou alors sur un cycle long, et puis très récemment, donc depuis cette année, un bachelor en partenariat avec Audencia. Donc design et communication. Donc ça, c'était pour la page de pub. C'est sur le sujet. Obligatoire d'expliquer ce qu'on fait, hein, mine de rien, parce que ça induit la logique derrière qui va à l'aval. Donc je vous le disais, de l'apprentissage, beaucoup d'apprentissage, 350 apprentis, avec maintenant évidemment la certification Calliope qui a été renouvelée en fin d'année dernière. Une logique de recherche avec au sein des masters en fait différents laboratoire qui traite de problématiques différentes, donc care, le soin, city, la ville, etc., etc. Une implantation à l'étranger, beaucoup à l'étranger, et étonnamment, aujourd'hui, l'école de design n'avait qu'une implantation à Nantes, en France, chose à laquelle nous allons remédier au travers d'une implantation à Laval. Donc c'est pas tout à fait le même Laval que M. Tremblay, effectivement. C'est notre bon vieux Laval en Mayenne, qui est lui aussi, enfin elle aussi, un territoire très attractif. Donc pourquoi on s'implante à Laval? Tout simplement parce que le département de la Mayenne et Laval Agglomération nous en a fait la proposition, tout simplement, dans une logique en fait d'améliorer l'offre d'enseignement supérieur sur ce territoire. Il y a aussi le fait que l'école de design Nantes-Atlantique est partenaire d'un certain nombre de structures sur Laval depuis quand même un certain nombre d'années, une quinzaine d'années, au travers du double diplôme avec les arts et métiers, au travers de partenariats sur des projets avec Clarté, qui est une grande structure de production de réalité virtuelle ou de réalité augmentée dans un contexte de recherche assez innovant, et évidemment avec le Salon Laval Virtuel avec une participation annuelle. Alors, quel type de compétences vous souhaitez développer à Laval? J'allais y venir. Donc, les objectifs, c'est fixer des candidats, attirer des talents et puis, justement, capitaliser sur les grandes compétences qui sont présentes sur le terrain lavallois, avec une volonté particulière donc, de travailler le design, mais au service de l'industrie, vraiment remettre les industriels, en particulier du territoire qui est le nôtre, au centre de notre pédagogie et évidemment une coloration système immersif puisque c'est bien là qu'est l'expertise lavalloise. Donc tout ça, ça nous donne la création de cette nouvelle branche de l'école de design à Laval qui sera nommée Immersive Design. Donc qu'est-ce qu'on entend par Immersive Design puisqu'on parle d'Immersive Learning? Nous, ce qu'on entend par Immersive Design, c'est l'utilisation des technologies immersives pour le design, en fait, donc pour la conception, vraiment l'utiliser comme outil de conception et évidemment acquérir une expertise sur le design pour les systèmes immersifs. Donc, en fait, c'est la brique, tu parlais de ne pas changer les métiers pour la pédagogie. Pareillement, pour vous, c'est rajouter une brique pour les designers? Oui, effectivement, c'est leur donner des outils supplémentaires et surtout que ces outils soient capables de les mettre en œuvre quand ils seront intégrés dans l'industrie. D'accord. C'est vraiment cette volonté. Donc les formations qui vont être proposées, c'est 3 DNMAD, donc les mêmes qui sont proposées sur Nantes, simplement avec des mineures différentes. Donc là, il faut s'intéresser un peu à ce qu'est le DNMAD, c'est une mention et une mineure, avec des mineures différentes et une coloration, vraiment, cette teinte pour les systèmes immersifs. Et évidemment, un master pour permettre aux étudiants de continuer leur cursus s'ils le désirent en Mayenne, qui est aussi une répétition d'un master qu'on a ici sur Nantes. On en vient aux fameuses compétences. Donc évidemment, ces 3 DNMAD numérique, espace et objet, avec la coloration qu'ils vont avoir,
ils auront des compétences qui seront communes, donc évidemment les méthodologies du design, puisque c'est un petit peu la base de notre métier, mais aussi une compréhension fine des usages des systèmes immersifs, ainsi que du prototypage de systèmes immersifs. Après, évidemment, il y aura des compétences qui seront plus spécifiques, comme le développement et la connaissance assez poussée de l'expérience utilisateur pour pouvoir évaluer, comme on va vraisemblablement en parler cet après-midi. Pour l'espace, l'architecture, donc là, des technologies, enfin des usages de technologies qui sont vraiment liés au BIM et au bâtiment, puisqu'on a vraiment une volonté de permettre à nos étudiants d'agir dans un contexte de conception du cadre bâti, donc de l'architecture, de la captation, de la reconstruction 3D. Et puis évidemment, pour objet, ben, des éléments DAO, CAO, qui aujourd'hui, au travers de certaines plateformes, permettent de faire des choses en temps réel. Vous connaissez forcément Dassault en 3D Experience, SolidWorks, etc. Il y a aujourd'hui des choses qui fonctionnent très très bien pour utiliser les modèles CAO directement en temps réel, ce qui est vraiment assez récent au final et du coup très très intéressant dans un contexte industriel. Du coup, ces parcours, c'est quelle durée ? Donc, c'est trois ans. Niveau c'est licence, ouais. Le okay. DNMAT, c'est niveau licence avec une possibilité bien sûr de continuer en master. Comme je disais, le master. Donc voilà le parcours potentiel que pourrait avoir un étudiant Lavallois, qui met aussi en avant une des particularités de ces parcours. Ça va être l'apprentissage, non pas sur la dernière année, ce qui est conventionnel avec les DNMAT la plupart du temps, mais directement à partir du troisième semestre, donc du second semestre de la deuxième année, pour une raison toute simple, qui est l'accompagnement des étudiants dans leur recherche d'entreprise. En fait, comme on est avec eux au moment où ils vont devoir chercher leurs entreprises, on peut mieux les aider, mieux les aiguiller sur cette problématique qui finalement n'est pas simple du tout. Ça explique aussi un parti pris dans la définition du master, puisque le master va se faire vraisemblablement en grande partie en enseignement à distance. Donc évidemment pas en enseignement à distance sur la base de visioconférence, mais plutôt capitaliser là aussi sur les capacités des systèmes immersifs pour pouvoir proposer un enseignement à distance de qualité. Ce qui est intéressant, c'est que on va pas avoir le temps de faire de POC, donc on se met au pied du mur, puisqu'on doit ouvrir en 2024. Donc il va falloir qu'on définisse très très rapidement ces modalités-là pour qu'elles soient efficaces tout de suite. Pourquoi on met ça en place ? Parce que là, il y a un vrai enjeu là-dessus. C'est tout simplement hors le volet écologique qui va évidemment éviter à nos étudiants de parcourir la France de long en large toutes les trois semaines. C'est une question aussi de confort pour les étudiants, de ne pas avoir évidemment à courir dans tous les sens. Et aussi une problématique qu'on a vu apparaître ces dernières années, post-Covid, qui est les difficultés des étudiants à accepter d'avoir une entreprise qui est loin de chez eux, en fait. Donc d'avoir une logistique qui est un petit peu compliquée. Il y a une vraie problématique là-dessus, et donc on espère pouvoir y pallier dans une certaine mesure grâce à cette pédagogie à distance. Merci. Tu voulais rajouter un mot ? Ouais, non, simplement, on va être au Laval Virtual Center, très naturellement. Donc. Et rendez-vous septembre 2024, voilà, c'est ça ? L'ouverture est prévue pour septembre 2024. Bon, rendez-vous est pris. Avec 110 étudiants. 110 étudiants sur la première année ? La première année, oui. 90 étudiants en DNMAT, 30 dans chaque DNMAT et les 20 étudiants en master. Oui, une petite question de Thierry. Oui, pour bien préciser, donc là, si j'ai compris, il va y avoir des cours où l'étudiant aura un casque chez lui. Tout à fait. Il y a une problématique là-dessus. Est-ce qu'on va les équiper nous-mêmes ? Est-ce qu'on achète les casques nous-mêmes et chacun arrive dans son package et récupère un casque ? Ou est-ce que ça fait partie des prérequis, comme acheter son ordinateur, par exemple ? La question se pose encore. On y réfléchit fortement. Ouais, c'est effectivement des questions qui se posent dans d'autres contextes. Merci beaucoup d'avoir fait vite et efficace dans ta présentation. Marion, on passe à toi. Autre profil du côté de quel type de compétences vous développez du côté de chez Simplon ? Bonjour, donc moi je suis Marion Scordia, je suis chef de projet chez Simplon. Je vais pouvoir répondre à certains questionnements, notamment par rapport à est-ce qu'on équipe un étudiant, notamment avec un casque de réalité virtuelle. Donc moi j'ai essuyé les plates, comme on dit. Donc juste pour présenter Simplon de manière très très rapide, Simplon c'est une école du digital avec un statut un peu spécifique. C'est qu'on est un réseau international d'écoles, j'appellerais de la seconde chance, où on est sur des programmes très très courts, mais on veut toucher un maximum de personnes, notamment les populations un peu défavorisées, les populations éloignées de l'emploi ou en reconversion.
C'est parti d'un postulat assez simple. Aujourd'hui, on manque de diversité dans la tech. Et donc, l'école Simplon a aujourd'hui 10 ans. On a commencé avec de la formation dans du code. Et maintenant, on a développé donc, plusieurs sujets technologiques, notamment l'IA, la cybersécurité, les réseaux et notamment les technologies immersives. Moi, je suis arrivée, donc la formation était déjà lancée chez Simplon. Et les deux rôles, les deux formations et les deux référentiels qui étaient développés, c'était donc les développeurs 3D temps réel, réalité virtuelle et réalité augmentée. Et un rôle cité par Thierry, notamment sur le besoin, c'est les techniciens support réalité virtuelle. Donc quand on dit technicien support réalité virtuelle, pour expliquer, c'est un rôle un peu Shiva, si j'ose dire, puisque c'est un rôle de j'acculture, je présente la réalité virtuelle, mais aussi je me pose la question du déploiement et des infrastructures, des réseaux pour déployer un contenu de réalité virtuelle. Donc l'Académie du Métaverse, c'est une expérimentation, c'est un pilote en collaboration avec Meta, donc sponsorisé par Meta, qui a été lancé dans 5 villes. Donc Aulnay-sous-Bois, technicien support réalité virtuelle, et les autres villes, développeurs réalité virtuelle. Pour expliquer un peu plus court, donc c'est un format très très court avec une formation intensive en temps plein de 3 à 4 mois. C'est un format qui existe déjà chez Simplon et qui nous a causé souci sur la partie immersive, avec le restant en alternance directement. Et donc et c'est pour ça que quand on regarde le programme, on se base en fait sur l'alternance, sur des collaborations dans la région de la ville. On est beaucoup sur du présentiel, ce qui nous a causé beaucoup de soucis d'ailleurs. C'est des parcours qui durent combien de temps? Donc, 3 à 4 mois pour la formation mention intensive et 15 à 16 mois dans l'alternance, en fait. Ce qui fait que ça a commencé vers octobre 2022 et là, les certifications, elles vont être passées en juin 2024, actuellement. C'est un pari risqué puisqu'on a repris donc, des formats de formation qui existaient déjà, mais pour des technologies et des apprentissages différents. Et on l'a retransféré sur la partie réalité immersive. Rapidement, donc, les succès, donc, c'est plus de 84 apprenants dans 3 régions différentes. Des belles collaborations dont avec Julien ici chez Inetum, puisque Inetum a recruté 2 de nos apprenants. Et des hubs locaux, donc on a ouvert sur Montreuil, sur Aulnay-sous-Bois, Lyon, Marseille et Nice. Pourquoi pas Nantes, puisque effectivement vous avez Simplon Nantes que tu connais bien avec Lyubov. C'était un choix par rapport à l'écosystème et par rapport aussi aux entreprises qu'on pouvait démarcher bien avant le début des formations. Très rapidement, donc quand on parle effectivement de, tu me posais la question des nouvelles compétences aujourd'hui. Les deux rôles sont assez clairs, donc c'est comme on est sur de la formation intensive et que c'est les référentiels, les missions, elles vont plutôt être développées sur l'alternance. Donc on se repose beaucoup sur le choix des entreprises et le placement des apprenants. Donc moi, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que ce sur quoi il faut vraiment mettre un maximum d'acculturation, et Thierry l'a évoqué aussi, sur acculturer les ingénieurs pédagogiques, j'irai même plus loin. Je pense que quand on déploie notamment dans des fabriques où la VR, on n'y connaît absolument rien, il faut acculturer toutes les personnes qui vont avoir un lien avec l'apprenant à son arrivée dans le campus et à sa sortie. Quand je dis toutes les personnes, ça veut dire donc effectivement l'ingénieur pédagogique, le responsable pédagogique, mais vous avez aussi le chargé de développement qui, lui, va aller démarcher les entreprises pour le placement. Il faut qu'ils comprennent, c'est très important que le chargé de développement comprenne qu'est-ce que c'est une entreprise de l'immersif, quels sont les roadmaps de l'entreprise, poser les bonnes questions et comprendre la personnalité du responsable technique. Aujourd'hui, en fait, l'écosystème reste quand même en difficulté. Et un apprenant qui arrive sur le sujet de l'immersif, c'est quelqu'un qui a besoin de se former un maximum en entreprise, en alternance. Quand tu dis le marché en difficulté, ça veut dire quoi? C'était une année assez difficile pour la XR 2022-2023. Oui. Je pense que tous les créateurs qui ont des stands là-bas ne vous diront pas le contraire.
Et quand aujourd'hui on est en constante recherche de cas d'usage client, de contrats, on n'a pas forcément le temps de bien intégrer un alternant qui va vraiment être dans l'alternance et attendre énormément de choses d'apprentissage dans l'alternance. Et aujourd'hui, s'il n'y a pas notre gageur en fait dans le choix d'une entreprise, c'est qu'il faut qu'il y ait un responsable technique. Et bien souvent, on se retrouve sur des petites startups de la XR qui sont avec un CEO qui fait tous les rôles. Et ça, c'est quelqu'un qui potentiellement ne va pas avoir le temps de bien d'accompagner, délivrer, d'accompagner. Il peut avoir une chance inouïe et se retrouver avec un apprenant totalement indépendant qui avait déjà des bases et de la passion. C'est super. Ce n'est pas forcément le cas de tous les apprenants. Ça, c'est la perle rare. C'est la perle qu'on s'arrache durant des déploiements. Ça, c'est une première chose. Donc, oui, on a rencontré des soucis sur l'alternance pour le choix des entreprises. Et donc, je terminerai aussi là-dessus. C'est que on a aussi été sauvés par nos formateurs. Le choix des formateurs, notamment pour réactiver le sujet de la XR sur une formation aussi courte et accompagner les apprenants, est primordial. Il faut quelqu'un qui s'y connaisse sur le sujet, sur le référentiel, mais surtout qui est engagé sur le sujet. C'est une école gratuite pour les apprenants, donc il faut les accompagner derrière. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. On n'a pas le temps d'approfondir. Je voulais juste, puisque Julien, tu t'es glissé sur cette table ronde, je voulais juste avoir ton retour, toi, du côté ESN. De quel profil tu as besoin et qui sont parfois compliqués, si je comprends bien, à trouver ? Alors, je rebondirai effectivement sur beaucoup de choses qui ont été dites. Le plus important, c'est que je vois qu'il y a des choses qui évoluent, qui vont dans le sens de ce qu'on recherche, notamment sur le métier de game designer et du UX designer. Aujourd'hui, donc, nous, on travaille beaucoup avec des profils du gaming, hein, donc du jeu vidéo, que ce soit des développeurs, des graphistes et des game designers qui sont dans leur formation très formés sur le développement de contenu PC-console et, on va dire, beaucoup moins formés sur la conception de contenu et d'expérience de jeu, d'expérience utilisateur sur le matériel immersif. Donc en tout cas, nous, quand on recrute un game designer, soit on arrive à trouver quelqu'un qui a déjà essuyé les plâtres et fait de la VR dans ses vies précédentes, mais un game designer en sortie d'école, aujourd'hui, on va beaucoup le reformer sur la manière de concevoir l'interaction utilisateur en VR. Et ça, j'espère effectivement que les nouveaux blocs de compétences qui se développent dans les formations vont venir leur amener... beaucoup plus d'éléments et de facilité de ce côté-là. Bon, Thierry le disait, l'application qui généralisera la réalité virtuelle n'a pas encore été réalisée, donc peut-être qu'on ne connaît pas encore ces bons mécanismes de jeu pour la réalité virtuelle. On les découvre encore, mais en tout cas, il y a vraiment un besoin de former ces game designers. Côté développeur aussi, on voit quand même que les cas d'usage qui se développent massivement, c'est la formation immersive. On a des développeurs qui viennent, donc maintenant avec Simplon on a un petit peu plus de diversité, mais qui viennent massivement soit de profils jeux vidéo, soit d'écoles ingénieurs généralistes en informatique, qui ont des blocs de compétences VR ou 3D. Ça n'a pas l'air de te satisfaire. Ça me satisfait. Mais qu'en partie. Mais il manque un bloc de compétences pédagogiques. Okay. C'est-à-dire que de manière générale, que ce soit nos graphistes et surtout nos développeurs, ils ont besoin de connaissances sur ce qu'est la pédagogie immersive. Ou en tout cas, de pouvoir dialoguer avec des équipes pédagogiques. Ouais. Voilà. Pour en arriver au point de départ de Thierry, qui est pour moi le nerf de la guerre, c'est arriver à former de deux côtés l'ingénierie pédagogique et de l'autre côté le game designer, parce que c'est les profils qui se parlent dans les projets et qui se parlent aujourd'hui de manière qui n'est pas optimale. Voilà, c'est-à-dire que l'ingénieur pédagogique, il a besoin de comprendre ce qu'il peut faire en VR. On parlera cet après-midi d'évaluation, mais il a besoin de comprendre ce qu'il peut évaluer, de ce qu'il peut faire apprendre avec de la réalité virtuelle. Et il a également besoin de savoir comment construire son cursus. Parce qu'on transforme un cours, on n'est pas en train de porter tout le cours en réalité virtuelle. On va garder une partie en présentiel, on va garder une partie en e-learning 2D, et on va mettre quelque chose en 3D. Donc eux, ils ont besoin de comprendre ce qu'on peut mettre en 3D, pourquoi, et ensuite comment dialoguer avec le game designer pour construire l'expérience immersive.
Je te prends juste une, ton interaction et on conclura la table ronde. Et en fait, on cherche tous le mouton à cinq pattes parce que tu parles d'un game designer développeur avec une coloration pédagogique. Si ça fonctionne bien au CNAM, effectivement, c'est qu'on a un ingénieur pédagogique qui a un antécédent de développeur web. Et donc, il sait parler aussi technique en face de lui avec les développeurs. Et je voulais rebondir aussi sur quelque chose que Marion a dit sur l'acculturation, et que j'avais oublié, qui est faut pas simplement acculturer ceux qui sont sur le projet, comme tu disais, et je passe mon temps à prêter des casques. Ça, sachez que pour que ça fonctionne dans un établissement, je prête des casques au top management. Et là, ça aide. Oui, je confirme. On a de jolies expériences à vous raconter. Merci à tous les quatre de nous avoir aidés à rattraper une partie du temps, d'avoir été efficaces dans votre propos. Et puis n'hésitez pas à aller à leur rencontre pour leur poser des questions directement. Nicolas, je vois que Nicolas est parti, donc je le vois partir. Donc il était question qu'il nous parle de son livre en conclusion. Je pense qu'il le fera cet après-midi. Je vous propose d'en rester là pour cette matinée. On se retrouve à 14h30 pour la suite du programme et on intégrera en conclusion la présentation du livre de France Immersive Learning. Merci à vous en tout cas d'avoir été parmi nous ce matin. Sachez que les sessions de ce matin et de cet après-midi sont enregistrées en podcast audio. Vous pourrez les récupérer avec les slides qui vont bien en synchronisé.